Cérémonie traditionnelle de libation à l'intention du géniteur de Dagbe Donu, Fema Conseil Cloca le 18 janvier 2023. C'est une habitude pour Dasek Cloca et ses frères et sœurs d'organiser une libation chaque année pour marquer la date de décès de leur géniteur. Le 18 janvier 2023 marque le 34e anniversaire du rappel aux ancêtres de leur père. La particularité cette année est la présence effective des fils et filles Cloca pour solidifier les liens de fraternité. C'est un moment de réjouissance et de retrouvailles. Des prières dans le mausolée du feu père, immolation de moutons et de volailles sont les moments forts. Dagbe Donu Fema Conseil Cloca a prié pour toute la famille. Quelques fils Sek Cloca nous livrent leurs impressions. Raoul Sek Cloca. Le 18 janvier, la date d'anniversaire de la mort, du départ de mon grand-père d'Elimabou. Donc, chaque année, tous les fils et filles Sek Cloca reviennent à Abomey pour honorer cette date, ce départ. Une commémoration qui se tient ici, qui ne réunit pas que les enfants Sek Cloca. Les amis et les alliés aussi viennent en cette occasion. Donc, c'est une date qui est gravée, je crois, sur le calendrier d'Abomey. Tout le monde sait que le 18 janvier, on est chez les Sek Cloca parce que il y a une cérémonie qui donne l'occasion d'écouter les chants qui normalement ne sont pas chantés hors des cérémonies vaudou. Donc, on vient, on reste ensemble toute la journée, on honore la mémoire de tous nos défunts et on prend du plaisir à être ensemble avec nos frères et sœurs, mais aussi avec tous nos amis qui viennent pour cette occasion passer la journée avec nous. Ça fait 34 ans que mon grand-père est parti. Donc, 34 années, c'est pas rien, c'est beaucoup. Et parfois, on a des années plus difficiles que d'autres. Donc, cette cérémonie a un accent particulier parce que
elle vient après une année assez tendue. Donc, cette fois-ci, on a plus de raisons que jamais de célébrer le fait d'être ensemble. Parce qu'on a eu une année un peu compliquée. Donc, on est tous très heureux d'être encore là, de pouvoir encore une fois ensemble célébrer cette date qui est tellement importante pour nous. On m'appelle Sekloka Mirez. Le 18 janvier représente une date très très importante pour moi, mais pour toute la famille Sekloka. Quand tu es Sekloka, tu connais le 18 janvier. Quand tu es Sekloka, tu ne peux pas oublier le 18 janvier. Et le 18 janvier est un jour de rassemblement, un jour de joie. Parce que c'est le jour de la mort de notre grand-père. Mais notre grand-père, tout le monde sait que c'est quelqu'un d'incontournable, quelqu'un de très important. Et il nous a tout enseigné. Nous, ses petits-fils, il nous a tout enseigné. Et à nos pères, il a laissé un héritage incontournable. Du coup, nous connaissons 18 janvier depuis qu'il est mort. Et nous, on ne rate jamais. On est toujours là le 18 janvier. Tu ne peux pas rater 18 janvier. Quand tu as raté le 18 janvier, tu n'es pas Sekloka. C'est vrai, il y a le 2 décembre et on vient pour la libation. Mais pour le 18 janvier, ça représente quelque chose encore d'autre pour nous. Et vous avez vu, il y a tout le monde. Il y a nos maris, il y a les femmes, il y a les épouses, il y a tout le monde, il y a toute la famille, les amis et les alliés. Le groupe folklorique Manaron, porté par Da Sekloka, a animé pour le plaisir des fils et filles Sekloka et des invités. Oh,
Oh, God.
Bye.
Thank you.
Voilà, pour le bio.